Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau rôle action. J'y suis allée plusieurs fois, j'ai pas mal de choses à vous montrer et puis bah voilà, je commence tout de suite. Donc on commence par l'objet le plus volumineux. J'ai trouvé ce petit pouf super beau, je l'avais vu sur les prospectus, je le trouvais très beau, il existe aussi en noir. Et je l'ai enfin trouvé dans mon action. Au début il était qu'en noir et le lendemain il était, ou quelques jours après je sais plus, il était en blanc. Donc voilà, j'en ai pris qu'un. Et c'est pour mettre devant ma coiffeuse plus tard, voilà. Parce que pour l'instant, j'ai pas de coiffeuse, j'ai pas la place dans ma chambre. Ensuite, mon papa, j'y suis allée avec lui, je vous avais même mis une photo sur Insta pour vous dire que j'y vais avec lui. C'est outils et chocolat. Donc voilà, on fait pas tous les rayons. Et il m'avait pris des petits maltesers. Et j'ai trouvé la boîte trop mignonne, donc c'est pour ça que je vous la montre. Donc bien sûr, il y en a plus, j'ai tout mangé. Donc vous pouvez ouvrir juste le petit rond comme ça pour qu'il sorte un par un. Ou alors vous pouvez carrément tout ouvrir cette partie là. Et puis c'est marqué it's the little things that count. Donc c'est les petites choses qui comptent. But lots of them help. Mais quand il y en a beaucoup ça aide. Voilà, je trouve la boîte trop jolie. Ensuite l'autre jour j'ai cassé mon miroir. Donc du coup j'en ai repris un chez Action. Donc j'ai pris celui-ci. Il existe en vert et en blanc, moi j'ai pris blanc, enfin j'espère qu'il est bien blanc à l'intérieur. Donc oui il est blanc, il n'est pas cassé, je l'avais pas ouvert. Donc voilà, un miroir tout simple, le bord en plastique, derrière il y a un petit truc pour le poser, voilà. Voilà, c'est un miroir quoi. Et puis quand j'y suis retournée, j'en ai trouvé un autre que je trouvais vraiment trop mignon. Il existe deux modèles, donc moi j'ai pris le modèle rose avec marqué Believe in Yourself, avec des petits cils là, comme ça je le trouvais vraiment trop beau. Il est matelassé, mais c'est du papier en fait. C'est pas de très bonne qualité, ça fait un peu cheap. Voilà, il s'ouvre comme ceci, et vous mettez comme ça, vous le posez comme ça, enfin dans le sens plutôt. Voilà, vous le posez comme ça. Le problème c'est que du coup là ça plie et c'est pas très joli. Et vraiment, je sais pas si vous allez entendre, c'est vraiment du papier. Ouais. Mais je le trouvais mignon quand même. Et donc je vous disais, il en existe un verre d'eau avec marqué je sais plus trop quoi dessus. Mais c'est pas le même. Ensuite j'ai pris un petit bracelet, j'ai déjà ouvert, je l'ai mis au bout d'une heure. Il m'avait fait le bras tout vert. Donc je l'ai renlevé. Donc voilà comment il est, avec un petit rond comme ça. Et c'est des cristaux de Swarovski. Je ne sais jamais comment prononcer Swarovski. Enfin, voilà. Je n'arrive pas à le prononcer. Mais. Donc voilà. Le problème, c'est que. Si le reste, c'est de la gnognotte, ça sert à rien en fait qu'il y ait des cristaux véritables dessus. Parce que du coup ben, il fait le bras tout vert et là il a déjà il est tout rouge, enfin un peu couleur cuivre. Le revêtement est parti. J'avais déjà pris avec à peu près le même packaging les boucles d'oreilles, les clous, vous en avez deux par boîte, ça doit coûter 2,49 ou 2,99. Donc c'est pas cher puisque c'est en argent. Sauf que ça doit être du plaqué argent au bout de quelques jours. La partie qui était dans mon oreille, elle avait plus aucun revêtement, pareil, c'était tout parti et c'était tout noir, en dessous tout gris, bizarre. Donc du coup j'avais renlevé les boucles d'oreilles, surtout qu'il y en a une, j'avais perdu la perle. Mais voilà. Donc ils font aussi des colliers, ils font aussi des boucles d'oreilles avec des petits cercles comme ça, puis ils font des cercles avec une barre dedans. Mais sinon ils sont très jolis et ils font aussi les couleurs dorées. Ensuite j'ai pris des brûle-parfums, brûle-tartelettes. Vous mettez votre produit en haut, votre tartelette ou des huiles essentielles, etc. Une bougie chauffe-plat en bas que vous allumez et puis ça diffuse l'odeur. Donc tout le monde connaît. Moi j'ai pris cela avec plein de petits cactus, j'en ai pris deux. Et j'en ai pris un comme ça qui a le bord jaune, puis des fleurs, des coquelicots en noir et blanc. Je le trouvais très joli aussi. Ensuite j'ai pris ceci, c'était en promo de la marque Ambipure. C'est un parfum d'intérieur mais qu'on branche hein, sur une prise. Donc vous avez le truc, ça, c'est triple. Et la recharge avec les trois petits flacons et ses bouquets de vanille. Il y avait aussi avec des fruits exotiques je crois.
Et il y avait un... avec un seul petit diffuseur. Vous savez, le modèle plus petit, là. Mais on a pris celui-ci pour tester, on s'est dit peut-être que ça tiendra plus longtemps. En tout cas, genre, le truc, ça marche bien, ça diffuse bien, ça sent bon. Et puis comme... comme chez Action, il y a tout le temps les trois comme ça, là. Bon, à l'unité, il y en a aussi, mais... on s'est dit, on pourra en retrouver chez eux, ça coûte pas très cher. Parce que des fois, on achète le diffuseur, et puis... quand c'est fini, ce qu'il y a dedans, parce que quand on l'achète, il y a forcément une recharge avec. Et dès que c'est fini, ben, on n'en rachète pas. On peut sentir, là j'ai frotté, ça sent hyper bon. Ensuite en promo, j'ai aussi pris du bain de bouche, c'est le Colgate Optic White. Certainement des dents plus blanches. Voilà. Comment il est. Et j'ai aussi pris des Colgate Max White, donc des dentifrices. J'en ai pris deux parce que c'était pas cher et je les aime bien. Ensuite j'ai pris Nelnet en édition limitée, c'est Nelnet de luxe et elle est sympa Nelnet. Elle asphyxie même un peu la gorge mais elle est très bien, elle taque pas les cheveux, j'en ai mis par exemple aujourd'hui. Franchement elle est très bien, elle est fine et tout, rien à redire. J'ai, je me rappelais plus, ou alors c'est ma soeur qui l'a pris, je sais plus, non ça doit être moi. J'avais aussi pris le petit collier, voilà. Qui va avec le bracelet, donc celui-ci est neuf, hein, je l'ai pas, on l'a pas porté. Ensuite j'ai pris cette brosse pour se laver le visage. Vous avez un côté poil et il y a des petits ronds dessus, ah oh, oui ça se voit bien. Et puis un petit côté avec des picots en plastique. Ma maman l'a ouverte, je l'ai touchée il y a 5 minutes, les poils sont d'une douceur, on n'imagine même pas. Vraiment ils sont très souples, ils sont vraiment top. Et derrière les petits truc en silicone là, les petits picots sont aussi hyper souples, donc j'ai hâte de l'utiliser pour me laver le visage parce que moi j'aime beaucoup me laver le visage avec les brosses comme ça. D'ailleurs j'en ai une de chez Action, c'est pas la même, elle est beaucoup moins souple mais elle est quand même souple par rapport à certaines brosses qu'on trouve ailleurs. Ensuite j'ai pris quelques boissons, j'ai pris une eau aromatisée à la framboise, il y a zéro sucre, zéro calorie qu'on nous dit, par contre c'est une eau pétillante, je préfère les eaux plates mais voilà. J'avais très soif et j'ai pris ça. C'est une black, c'est la Black Rocco. Il y a un chat dessus. Il existait avec un autre parfum. Je ne me rappelle plus le parfum. Mais celle-ci, c'était le fruit rouge. Et l'autre, oui, ça devait être exotique, orange, fruit exotique ou quelque chose comme ça. Non, peut-être pas fruit exotique. Enfin, ouais, orange, multi-fruits, je crois que c'était marqué. J'étais avec un autre animal, mais je ne me rappelle plus. C'était bon. Ensuite, j'ai pris. Ceci, donc j'en ai pris trois modèles, je crois que j'ai pris les trois que j'ai vus. En fait c'est du papier autocollant, vous décollez une partie d'une couleur, en fait par exemple les cils de la lune, vous mettez des petites paillettes, vous tapez pour bien que ça soit, que ça retombe le surplus, et puis vous redécollez une autre partie, vous faites ça pour les quatre couleurs que vous avez. Donc j'ai pris la petite chouette, la licorne et le flamant rose, voilà. Donc je me suis dit on en a trois, comme ça on fera ça avec ma soeur et ma maman une après-midi. Ensuite j'ai pris ça quand c'était en promo, donc des petites souris optiques sans fil. Vous avez juste le petit récepteur USB à brancher sur votre ordi. Une blanche, une noire et elle existait aussi en rose. J'ai pris des petits bonbons comme ça que je trouvais trop mignons. C'est une boîte de nouilles instantanées en fait. Donc c'est des bonbons à la fraise dedans, c'est des petits fils. Et vous avez aussi les petites baguettes... chinoise, je vais ouvrir pour regarder. Donc voilà comment c'est dedans les bonbons. Il y en a quand même assez lourd. Même le packaging, je trouvais ça trop mignon. Ensuite j'ai pris deux petites trousses. Donc déjà une comme ça avec des sequins et c'est réversible. Donc c'est argent ou alors un peu aurore boréale, blanc, avec des reflets roses, verts, bleus. Voilà. Dedans elle est doublée, c'est gris. Je la trouvais toute belle, donc voilà. J'ai trouvé au rayon du make-up. Et en rayon papeterie, j'ai pris celle-ci. Elle existait dans trois couleurs. Il y avait aussi vert et il y avait bleu. La verte, je crois que c'est la verte, elle était très belle. Mais en fait, moi, je voulais avec le petit... Parce que j'avais vu sur le prospectus, avec le petit coquillage, voilà. Donc vous avez deux pochettes. Donc là, j'ai mis mes tickets. Pas les perles. Donc voilà, une jolie trousse sirène, je suis contente de l'avoir trouvée, je l'avais vue plusieurs fois sur le prospectus mais je l'avais trouvée pas en magasin. J'ai pris deux petits porte-monnaies
un peu holographique comme ça, je l'ai pris en rose, il existait en plus foncé, je crois, rose plus foncé. Je vous ai mis une photo sur Insta, mais je me rappelle plus trop. Et en noir, oui, il y avait noir. Voilà, je le trouvais très beau, donc c'est un petit modèle. Dedans, vous avez pour mettre des petites pièces. Par contre, la fermeture est vraiment toute petite, elle n'est pas sur toute la longueur, vous voyez. Vous mettez pas beaucoup de pièces dedans et c'est dur de les récupérer, je pense. Vous pouvez mettre deux cartes de ce côté-ci et deux autres de l'autre côté. Voilà. Et j'en avais pris un pailleté doré. À l'intérieur, c'est exactement pareil. J'ai pris des sacs à crottes pour promener mon chien, voilà. Pour ramasser les crottes, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il y a des distributeurs à Dijon, il y en a partout. Normalement, ils sont réapprovisionnés toutes les semaines. Sauf que c'est le cas au centre-ville, mais on n'est pas très loin du centre pourtant, mais vers chez nous, ils sont toujours vides. Et en même temps, au début qu'il y en avait, on les voyait les remplir. Sauf qu'il y a des dames qui viennent et elles ont même pas de chien. Et elles prennent tout, enfin. Voilà. Donc du coup, il n'y en a jamais, on est obligé d'en acheter. Et on en avait déjà acheté chez Action, je n'avais pas ceux-là. C'était des. Il y avait la moitié de paquets noirs. Donc c'est mieux les sacs noirs que les transparents, mais bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et l'autre moitié, c'était transparent, un peu blanc avec des petits nanos. Donc voilà, ils étaient très bien, mais là, il n'y en avait plus, donc j'ai pris une multicolore comme ça. Ensuite, j'ai pris ce masque pour les cheveux, donc c'est le jaune, c'est l'Intense Repair. Il y avait le rose, je crois que c'était pour les cheveux bouclés ou... Ah non, pour les cheveux colorés. Kératine, testé dermatologiquement. C'est la marque This Is It. Et ils sentent très bon, j'ai hâte de le tester. Ils coûtaient pas cher du tout, comme ceux que je prends tout le temps. Qui d'ailleurs sont en promo en ce moment, donc j'en ai pris deux. Celui coco pour moi, celui que je prends tout le temps, et celui pour ma soeur, c'est le kératine jojoba. Donc voilà, on les utilise tout le temps et on les adore. On va rester dans les cheveux avec ce produit, c'est le, toujours dans la marque This Is It. C'est le volume et c'est une crème voilà, pour mettre dans les cheveux. Je cherchais pas vraiment pour le volume, mais texturiser un petit peu mes cheveux, voilà. Plutôt que de faire un brushing, tout ça, je m'étais dit ça serait plutôt pas mal de racheter un produit comme ça quand j'avais les cheveux frisés, parce qu'avant j'avais les cheveux très bouclés. J'en utilisais tout le temps. Quoique ça me faisait un peu les cheveux gras, donc je privilégiais la mousse. Mais c'est vrai que j'en utilisais parfois. Mais ça, faut pas en mettre beaucoup. On a toujours tendance à en mettre de trop. Il faudra que je teste ça. J'ai pris un Baptiste. Ça m'a interpellée. Il était un peu cher. Mais je connaissais pas ces deux en un. En fait, il fait shampoing sec. Et il fait conditionneur. Donc je me suis dit peut-être qu'il dessèche moins les cheveux. Donc j'ai pris le vanille et fleur de passion, il en existait plein, il y avait fleur d'oranger, je sais plus trop quoi. Le reste, enfin il y avait au moins 3 modèles, 3 ou 4. Je vous avais mis une photo aussi sur Insta, donc allez voir si ça vous intéresse. Et donc je l'ai pas testé, mais il sent très bon. Et j'ai hâte de tester, de voir s'il dessèche un peu moins les cheveux. D'après les shampoings secs, ça dessèche, mais bon, faut savoir ce qu'on veut quoi. J'ai pris ceci pour une canette isotherme. Il existait différents modèles, moi j'ai pris la rose avec le flamant rose marqué Tropical Paradise. Ça s'ouvre comme ceci, un peu dur. Il y a un petit trou pour faire appel d'air. J'espère qu'il est assez gros le petit trou parce que des fois c'est pas assez. Et du coup il n'y a rien qui sort quand on veut boire. Voilà, ça fait comme une petite paille à l'intérieur. C'est en métal et ça a l'air plutôt bien. Je me suis dit pour l'été, pour les boissons fraîches, ça sera plutôt bien. Surtout qu'en ce moment, il fait très chaud. Là, ça s'est un petit peu calmé depuis deux jours. Mais 37 degrés et tout, c'est intenable. J'ai pris un dévidoir à scotch en forme de lunettes. Je le trouvais trop beau. Il y avait plusieurs modèles. Je me rappelle plus, un oiseau, je sais plus quoi. Puis après, j'en ai vu un autre que j'avais jamais vu, qui était encore plus beau que les lunettes même. Et dedans, il y a déjà un rouleau de scotch et c'est multicolore. Je le trouvais sympa. Voilà. Ensuite j'ai pris des porte-clés pompons, donc j'ai d'abord pris le lama, tout mignon, voilà, là on voit un petit peu le bilinde. Et puis j'ai pris le cygne, je trouve vraiment trop beau, je sais pas, trop gracieux, trop joli. Je vais vous montrer dans l'autre sens, qui est là sa petite couronne qui est pailletée, voilà, je le trouvais trop beau. J'ai pris des petites voitures transformables, donc des robocars. J'en ai pris deux, il y avait plusieurs modèles et j'ai pris pour mon papa. Je sais pas si ça va lui plaire, mais je pense.
Vous avez des parties à bouger et ça vous fait un robot. Ensuite, vous pouvez repasser en mode voiture. J'en avais un comme ça, enfin une, je sais pas trop comment dire. Quand j'étais petite, mais je savais pas la transformer. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une petite bonbonnière comme ça en forme d'ananas. Je la trouvais vraiment trop mignonne. Alors par contre, j'en avais pris, faites bien attention, j'en avais pris une au début et je me suis aperçue qu'elle était cassée, qu'il y avait du scotch par-dessus. Pour pas que ça se voit, comme ça après vous l'achetez puis vous pouvez pas la ramener puisqu'ils vous disent bah non, on sait pas si elle a pas été cassée en dehors du magasin. Donc voilà, en plus il y a un petit mot pour vous, pour l'offrir à quelqu'un, voilà, de la part de... C'est de la collection d'été qu'ils disent et puis je la trouvais vraiment très jolie. Même pour mettre du maquillage, c'est sympa. Ensuite j'ai pris des choses pour ma nouvelle voiture. Donc ça, c'est ma soeur qui a choisi, qui a voulu que je prenne ça. C'est un désodorisant, c'est I Love My Car Black Pin, donc pain noir, je crois. Elle le trouvait beau, elle m'a dit dans ta voiture ça ira bien. C'est une Seat, elle est grise, donc elle m'a dit en noir et puis avec du rouge, parce que rouge, enfin Seat il y a beaucoup de rouge, et elle m'a pris une protection de clé rouge, donc voilà. Ensuite j'ai pris des lingettes pour nettoyer les plastiques, donc c'est au senteur citron, il y en a 40 dedans, elles ont l'air bien imbibées. Voilà. Comme il y a un petit peu quelques taches sur le siège, j'ai pris une bombe à textile, un nettoyant en textile. Je vais essayer, ça coûte rien. Dites-moi si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé. Et j'ai pris un petit truc à poussière, là, comme ça, pour c'est triangulaire, c'est pointu, pour faire la zone vers le pare-brise, où c'est un peu dur d'accès, ou on peut aussi nettoyer les vitres, c'est de la microfibre qu'il y a par-dessus. Et voilà. Ensuite j'ai pris des paillettes comme ça. Chez Action elles coûtent vraiment pas cher. Je me suis dit s'il nous en manque pour faire nos petits trucs comme ça là, ça sera utile. Et elle m'avait l'air assez fine. J'en ai, j'avais dû acheter chez Babou. J'ai fait beaucoup de cartes de Noël et tout ça avec. Par contre elles sont plus grosses. Pour brosser suite à la mousse à textile, pour brosser les sièges, j'ai pris une petite brosse. Normalement c'est une brosse à ongles, mais ça coûtait pas cher et elle a l'air bien, mais voilà, enfin, une brosse quoi. J'ai pris des lingettes démaquillantes à l'aloe vera. C'est des lingettes qui sont vraiment trop bien, elles hydratent bien la peau. Moi je les adore, il y en a 25 dans le paquet. J'ai pris un petit truc télescopique comme ça pour faire des massages en anti-cellulite. Des massages tout court, voilà. Ils s'ouvrent. Je pensais qu'ils s'ouvraient plus que ça. Enfin, de toute façon, c'est bien assez. Il existait plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris noir, il y avait rouge, il y avait bleu. Et c'est tout ce que j'ai dit. J'ai pris un petit bracelet comme ça, donc j'ai hésité parce que toutes les couleurs étaient très belles, mais j'en ai pris qu'un. Il se ferme avec un fermoir aimanté, donc c'est qu'un bracelet. Hein. Il y a plusieurs parties et au final j'ai opté pour blanc comme ça, je le trouvais très joli. Ensuite avec ma soeur on a pris des petits porte-photos mais magnétiques à coller sur le frigo. Donc il y avait plein de couleurs. On a pris un blanc en forme de cœur. Un noir ovale, oui. Un peu gris vert ovale aussi, un blanc en forme de cœur et un rose carré, voilà. Ensuite j'ai pris ça, ça fait un moment que je le vois, ma maman l'avait acheté et en fait il sent trop bon, le chocolat, c'est au beurre de cacao et j'aurais pas su que ça sentait si bon, je l'aurais jamais acheté. Mais oh, ça sent vraiment trop trop bon. Oh là là. Et donc du coup, bah, quand je l'ai senti, je le voulais, sauf que je le trouvais plus nulle part. Il y avait le bleu foncé. D'ailleurs, il n'y avait plus le vert d'eau, parce que moi j'avais dit que je l'avais acheté, mais il y avait un vert d'eau, enfin un vert clair avant. Mais je le trouvais plus. Là, ils avaient remis des roses, des bleus, donc j'en ai pris un. Mais j'ai lu qu'apparemment, il y avait du pétrole dedans. Voilà, enfin de toute façon il y a n'importe quoi dans tout. J'ai pris deux petits parfums comme ça, il y en a un pour ma maman que j'ai déjà donné. Donc c'est de la Maffigenzi, c'est le Marcella. Je me rappelle plus à quoi il correspond celui-ci, mais si je retrouve je vous le marquerai. En tout cas on trouvait qu'il sentait très bon. Donc, voilà, une pâte bouchon, c'est des petits parfums à moins d'un euro. Il y en a 15 ml à l'intérieur. J'ai pris un baume à lèvres Baby Lips Mean to Be. C'est ceux avec le petit cœur sur le raisin. Ils sont trop beaux.
Et c'est le 26 Peppermint Pink. Ça l'a à la menthe, si je ne me trompe pas. Menthe poivrée. Ensuite, j'ai pris une mousse de douche Nivea, la Luxurious Shower Silk Mousse à l'huile d'amande. Voilà, j'adore me laver avec des mousses. Enfin, même pour le visage, tout ça, j'aime beaucoup tout ce qui est en mousse. Donc quand je l'ai acheté, il n'y avait que celle-ci, mais après on a été à une autre action, il y avait plusieurs sortes. Il y avait une rose et une plus foncée. Par contre, je ne me rappelle pas à quoi c'était. Je le savais, mais je ne me rappelle pas. Mais bon, voilà, moi j'ai huile d'amande. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester le même déo, mais sous deux formats différents. Donc j'ai pris le Nivea Energy Fresh 48 heures en spray et en bille. Donc j'ai pris que cela pour l'instant. Je pensais faire une vidéo, tester les deux, en mettre un sous l'un bras, un sous un bras et l'autre sous l'autre bras, et faire ça avec différents déos. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Moi, généralement, j'utilise que des déos billes, mais voilà, j'avais envie d'acheter des déos spray. Donc voilà, j'ai commencé avec celui-ci, mais je compte le faire avec d'autres. Dites-moi si oui ou non ça vous intéresse. Et donc j'ai pris d'autres déos, j'ai pris le Woman Déodorant Silk Touch, donc c'est pas une marque connue quoi, c'est violet comme ça. Je trouvais qu'il sentait très bon. Et j'ai pris un Rexona qui m'a attiré aussi, c'est le Dry with Floral Power Scent Parfum Fleuri Poudré, 48 heures antitranspirant. Et il sent très bon, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a tout de suite un effet sec. Ensuite j'ai pris des petites, c'est le dernier article, j'ai pris des petites éponges en silicone, donc j'en avais déjà une quand c'est sorti, j'avais acheté ça. Et puis là, il y en avait deux, c'était pas cher et je les trouvais très belles, toutes pailletées. Et surtout je me suis dit, elles ont l'air d'avoir une face silicone et une face un peu mousse, enfin je sais pas trop, donc je vais ouvrir pour voir ça. Et oui, c'est ça, il y a la face silicone et de l'autre côté c'est une petite mousse. Je me suis dit ça peut être bien faire en gros avec le silicone et puis ensuite avec l'autre partie. En tout cas, à tester, surtout que j'ai acheté plein de make-up actions. Tout à ça, ils ont sorti plein de nouveautés, j'ai fait la radia, j'ai à peu près tout acheté. Donc voilà, tout est là, il y en a beaucoup, il y a plein de rouges à lèvres, des palettes, encore des palettes, fond de teint, crayon à sourcils, mascara, poudre, il n'y a que le blush que j'ai pas trouvé que j'aurais voulu, kabuki. Il y a aussi des choses que j'ai pas pris du style les gloss parce que j'aime pas ça, et les jumbo j'aime bien mais j'en ai trop et j'avais déjà acheté tous les rouges à lèvres. Donc voilà, je les ai pas pris. Par contre, je vais pas vous montrer tout en détail ici. Je vais faire une vidéo où je teste tout ce make-up. Donc à suivre si ça vous intéresse. Il y aura un crash test très prochainement. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.